pris du temps, mais on y est arrivé. On peut maintenant se régaler avec la vidéo. Juste... On a nos blessés qui sont aussi occupés à... C'est pas dit que quand tu es blessé tu dois absolument rester à la maison. Il y a moyen de s'entraîner autrement. Voilà, eux ils sont là, ils sont occupés aussi. On leur a donné des choses qui peuvent éventuellement le mettre en jambe selon leur blessure. Et il faut venir, il faut pas rester à la maison. Il y a de quoi faire toujours. Il y a moyen qu'on s'occupe de vous. Venez. Passer à la maison ne sert absolument à rien. On perd tout le bénéfice de ce qu'on avait fait. Et si on est censé travailler, ne fût-ce que c'est pas grave, c'est fait pour ça. Si on sait garder la forme qu'on a déjà gagnée, pourquoi aller rester à la maison et perdre ça. Donc venez, malade ou pas, il y a moyen qu'on trouve quelque chose à faire différemment selon ton état de santé. Donc j'espère que ces petits messages vous arrivent dessus, vous motivent à venir, parce qu'on a besoin de vous. C'est ça, on a besoin que tout le monde soit valide pour qu'on puisse construire notre histoire. Alors venez continuer faire ce qu'on a commencé à faire. Voilà. Chacun de travaille pour lui, il n'y a pas de triche, tout le monde doit aller normalement jusqu'au bout. Parce que c'est comme ça qu'on s'endurcit, c'est comme ça qu'on arrive à faire des choses durant nos matchs. Je vous laisse un peu travailler et puis on va repasser sur vous. De toute façon, on va aller un peu faire un tour chez vos jeunes et voir ce qu'ils sont, ce qu'ils deviennent. Et on a tout le monde, toujours. Passons chez monsieur Olivier qui est occupé aussi à... J'ai raté un exercice qui était intéressant, mais bon, le temps de trouver et d'ouvrir tous ces matériels qui nous prend du temps. Mais non, c'est bon, c'est pas mal, hein, ça, hein, c'est vraiment une opposition, une possession où... t'as quelqu'un devant pour essayer de te faire jouer comme il faut. C'est vraiment idéal aussi. Alors on n'a rien raté. Voilà, on arrive à voir ce que ça peut aussi donner durant le match. Donc il y a encore du travail à faire. Tout le monde se donne les moyens, mais bon, des fois ça produit pas vraiment ses effets comme on le veut tout de suite, mais ça viendra. Nous on a confiance. Moi je sais que, selon ma petite expérience, que le football, il faut lui donner du temps pour se bonifier. On ne doit pas être pressé. Ce que vous faites, c'est vous donner du temps. Les échecs ou les réussites de vos matchs, c'est toujours des enseignements, des renseignements pour vous. Alors continuez comme ça, ça va vraiment vous faire du bien. Voilà. Les jeunes vont se désaltérer dès qu'ils commencent autre chose. On va se mettre dessus. Félicitations Théophile. Beau match ce week-end. On s'est fait peur, mais bon. On est arrivé au bout. Je pense qu'on commence à tirer la couverture pour rester là-dessus jusqu'au mois de décembre. Vraiment bien placé, dans les bons wagons. Alors, manger ces kilomètres, ça va nous faire du bien. On va essayer de s'accrocher là-dessus.
et on reviendra. Pour l'instant, on reste avec nos petits jeunes qui se font du bien. Là où il y a opposition, il y a football. Alors, on essaie de les regarder un peu. C'est mettre en jambe, trouver des solutions pour leur match, comment ils vont faire. On joue comme on s'entraîne. Alors, si on s'entraîne bien, c'est sûr que ça va sortir. Pour l'instant, ils sont occupés à régler. Ça finira par devenir une seconde peau et puis commencer à marcher un peu partout dans tous les rencontres qu'on va faire. Et les fidèles sont toujours là, les petites. Alors, on suit, on continue à suivre. Pendant ce temps-là, nos grands continuent à manger des kilomètres. On attend ces kilomètres. Voilà. Positionne les blocs, situation match, toujours. C'est vraiment ça. Si on sait jouer ici, situation match, c'est normal qu'on puisse les sortir pendant nos rencontres. Alors ça commence là. On prend le temps de le faire bien ici. Et puis après, on verra. Mais ça va, ça avance. Et il continue à travailler. Les conseils sont dispatchés un peu partout. On donne un peu de conseils à tout le monde pour que durant les matchs, on puisse se remettre vraiment, se remémorer ça. Voilà, nos fidèles, des accompagnants, des gens qui font vivre aussi le foot, des accompagnants. Voilà, les grands continuent toujours, hein, on est toujours avec eux. Ils bouffent toujours des kilomètres. Il fait une tête. Mais ne touche pas à ta tête. Tu sais très bien que tu t'as ramassé un coup. Mon ami, essaie de jouer avec tes pieds. Après, on a besoin de cette tête-là pour le week-end. Pour l'instant, je disais que nos grands mangent des kilomètres. Ils vont vraiment se faire du bien. On va bien dormir. Hein? Et puis on attaquera bien le jeudi, le jeu ballon, comme on sait le faire. Pour l'instant, on reste avec nos jeunes. Ils sont bien. Alors on reste avec eux. Pas mal. Le jeu à deux touches de balle, mais il faut se parler les grands. Pour aller dans la balle plus vite, hein, sinon vous vous battez après. Hein. Voilà. Essayez, hein. Et c'est bien. On garde pas la balle, il n'y a pas de rétention. On a envie que tout le monde participe à ces jeux. C'est vraiment ça. Apprendre à jouer tous ensemble. Il n'y a qu'un seul ballon. Alors on doit la donner au plus vite. C'est ce que vous faites. C'est bien. Et maintenant, est-ce que cette rapidité vous convient à vos matchs? Là, c'est autre chose. Et pour l'instant, à l'entraînement, c'est pas mal. Voilà. Hop. Voilà. 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 C'est vraiment situation match. Il n'y a pas. On se fait pas de cadeaux, mais on prend pas les pieds non plus. Tout est correct. Tout est réfléchi. On essaie de ne pas se faire mal parce qu'on a besoin les uns des autres. Mais on joue au football. C'est. Des fois, on est étonné que ça ne sorte pas pendant les matchs, mais bon, il faut croire en eux. Il y a des choses qui sont bien faites, qui vont sortir un jour ou l'autre. Il faut leur laisser le temps. Simplement. On a besoin de temps. Et oui, là-bas, on mange des kilomètres. C'est bien, on adore. Ça nous renforce les kilomètres. Ça nous renforce. C'est pas mal, hein? C'est bien. Ah, c'est là où on voit que ça travaille les grands. Quand on commence à se mettre sur les genoux. Mais apprenez à respirer. Écoutez, respirer. Voilà, il a raison. Vous en avez besoin
Les autres ne nous attendent pas, ils bouffent ces kilomètres chaque jour. Alors nous aussi on fait de même. Comme ça on aura des chances. Égal quand il y aura vraiment des rencontres. En attendant, bouffez-les, c'est bien, c'est bien. Ça a un bon goût, du kilomètre, c'est bien. On reste avec nos jeunes. Ils sont en train de se mettre en place, alors si ça peut leur permettre de rectifier quelque chose, on reste un peu avec eux pour leur donner un peu ces images-là. Voilà, on joue entre lignes, c'est vraiment ça. Hein? Voilà les jeunes. Oh mon gardien. Mon grand. T'es allé les chercher un peu loin. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça fait du bien de te voir si bien réveillé. Allez. Ça viendra un jour, tu vas le sortir pendant un match. Pas mal. Hop. Oh. Bien vu. C'est bien vu. Allez, on est sorti maintenant. Voilà les grands. Pas mal, hein? Oh, essaie de jouer seul, grand. Trouve des solutions au sol. T'en as toujours. Pose ta balle. Essaie de jouer au sol. Et tu verras que celui qui va recevoir ta balle, il n'aura pas de complications. Il y a juste à shooter ou à donner. Voilà, ça c'est votre jeu. Vous posez votre ballon et vous jouez. C'est vraiment ça l'idéal. Voilà, bien vu, mais le bleu aussi, ils t'ont vu, c'est ça. De temps en temps, essayer de cacher un peu cette balle. Parce que une passe qu'on a vue, c'est une passe interceptée. Cache-les le plus longtemps possible et puis paf, tu les sors comme une fusée. Voilà, mon grand. Ah, voilà. C'est ça. Puisque si tu caches pas ta passe, on devine et on coupe l'angle direct. Vous le faites bien les jeunes. Voilà. Mon grand relâche. On va revenir après. Ils en ont mangé, mais bon. Ça va continuer hein, les grands. Toute l'année, on va prendre des kilomètres comme ça. C'est pour nous renforcer. On a besoin de nos muscles pour faire des choses bien. Alors, il faut vraiment qu'on oublie la douleur, qu'on se donne la peine, comme vous le faites. C'est pour cela qu'on a des beaux matchs. Alors, continuez. Moi, je suis admiratif. Je reste scotché sur tout ce que vous faites. Voilà, on reste avec vos jeunes, c'est ballon, c'est aussi votre façon de jouer, donc vous allez peut-être apprendre aussi avec eux. Et on continue comme ça, c'est notre jeu à jette, jouer entre les lignes, jouer avec nos coéquipiers, c'est le même jeu. On reste dessus, voilà, mes mangeurs des kilomètres préférés sont là, ils en ont mangé. Et on est sûr et certain que le week-end, on va se faire du bien. C'est bien, mes enfants. C'est bien, c'est bien. Voilà. On reste toujours... Voilà. Voilà, voilà. Parce que le message était passé dès le début, qu'on a besoin d'eau. On est des gens qui devons boire beaucoup. Voilà. Des bouteilles pareilles, c'est des bouteilles qu'il faut apporter. On a besoin de ces bouteilles-là puisque c'est qu'on dépense comme eau en transpiration, les enfants. On ne le sait pas, hein? Mais bon, c'est beaucoup. Hein? Pour l'instant,
faut vraiment penser à ça. Vos muscles en ont besoin, sinon c'est des crampes après, c'est des choses comme ça. C'est bien, c'est bien. Vous avez bouffé des kilomètres, mais ça fait du bien. Allez, on reste encore un tout petit peu avec vos gènes, on va revenir. Ça c'est partout, de U6 jusque les professionnels, il faut vraiment vous prendre au sérieux quand on dit relâcher. Si vous le faites pas, mes amis, c'est vous qui souffrez, hein. C'est important, important. C'est pour cela que vos formateurs insistent autant, important. On évite beaucoup de blessures avec ce que vous faites là. Ça semble banal, mais non, c'est pas du tout banal. Chaque muscle, chaque ligament, chaque partie de votre corps, vous les travaillez. Donc prenez vraiment le temps, faites-vous du bien. Après un effort pareil, vous avez vraiment intérêt à vous faire du bien pour entamer autre chose. Sinon, voilà, voilà. Il insiste. Écoutez cette voix-là qui essaie de vous encourager à avancer. C'est pas vraiment de la blague, il faut vraiment prendre au sérieux cet exercice-là. On revient sur nos petits genoux qui nous font du bien de l'autre côté. Parce que les étirements, il n'y a pas que vous les hommes. C'est partout. Alors, si on sait que non, c'est une recette qui marche, il faut qu'on insiste dessus. Il faut vraiment que vous preniez conscience que vous devez le faire. C'est une obligation pour vous de satisfaire votre corps. Pas mal les genoux. Ça joue entre lui. Ouais, t'étais sorti, mais il devait fermer aussi, hein, c'est comme ça. Voilà, on relativise, grand, on les relativise. C'est pas fait exprès, c'est comme ça. On est dans un sport de contact, on va souvent avoir ça. Alors, si on se fâche, c'est pas bon. Et on sort de son entraînement à ce moment-là. Il faut relativiser. Tu vas un jour aussi prendre le pied de l'autre. Donc c'est rien, on continue, voilà, solution donnée, hop, voilà, c'était un peu derrière, mais il fallait le voir partir, oh, voilà, écoute, mon grand, c'est pour toi, voilà, on l'a bien fait dès le départ, c'était deux touches, on donnait, Voilà les jeunes, j'ai 20 minutes de vous, largement suffisant pour vous, je pense, pour aller revoir à la maison et vous faire du bien. On va finir sur cette action et puis on va aller sur nos grands. Voilà. J'espère que vous avez assez pour pouvoir travailler un peu. Ah ouais.
Ça va jamais en finir. Personne ne veut lâcher. Il n'y a pas de cause. Hop. Maintenant. Oh mon grand. Ok. On arrête là. Sinon, nos grands n'auront plus de place.